Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera à la réception du swap, donc avec la fimo de Lia. Donc on avait effectué un vrai swap, c'était tout bien emballé tout ça, sauf que malheureusement quand j'ai tourné cette vidéo, donc c'était bon tout ça, sauf que une fois sur l'ordi, et ben en fait ça mettait que on pouvait pas lire la vidéo et je pouvais pas récupérer les fichiers vu que j'avais couper les fichiers sur mon ordi, bref. Et du coup, je pouvais pas récupérer les fichiers, donc voilà, je suis obligée de vous refaire cette vidéo. Mais vous pourrez pas voir quand je déballe les cadeaux, malheureusement. Mais bon, j'espère quand même que cette vidéo vous plaira. Avant, je tiens à dire que d'abord, c'est assez... Enfin, on s'est parlé, tout ça, c'était trop bien. J'adore moi. Bref. C'était tout bien emballé, tout ça, et en plus j'ai reçu super vite. Donc j'espère que tu recevras le mien parce que tu dois attendre et je m'en excuse. Voilà. Donc, c'était envoyé dans un énorme enveloppe à bulles, comme ceci. Voilà. Ensuite, dedans, il y avait un petit mot, comme ceci, dont c'était marqué swap avec Cara les petits sucreries. En plus, c'est écrit, mais super, trop bien. Et il y avait le menu du swap comme ceci et là. Donc tout était emballé soit dans des sachets zip, soit dans du magnifique papier cadeau. Et d'ailleurs, voilà, il est bleu avec des petites fleurs roses et blanches, c'est trop beau. Et tu m'as mis désolée pour l'emballage, mais franchement moi je crois que j'ai pas fait mieux. En plus j'ai pas mis du papier cadeau de la même couleur quoi. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Et aussi il y avait des produits emballés dans du papier comme ça, c'est trop marrant, j'en avais jamais eu comme ça, c'est trop marrant. Donc on va commencer avec le numéro 1 pour une peau douce et une odeur au beurre de cacao. Donc le premier produit, voilà, donc voici ce que c'est. Donc je vais le mettre comme ça. Donc en fait c'est une crème de douche comme ceci, cacao, au beurre de cacao et huile de coco, de la marque Fa, donc je sais pas si vous connaissez, et mais ça sent trop bon, j'adore trop. Donc voilà, donc ça je vais le laisser là-bas. Ensuite, donc vraiment, mais merci mille fois, parce que franchement j'ai trop adoré faire ce swap avec toi. Numéro 2, en plus ça m'a super trop bien gâté. Numéro 2, indispensable pour la fimo. Si je me trompe pas, donc c'est ceci. Donc c'est un pain de fimo en soft, numéro 22, et c'est la couleur framboise, et j'adore trop cette couleur. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, donc là bah, je vais pouvoir en réutiliser. Merci beaucoup. Voilà, numéro 3. Mon premier se boit, mon second est blanc, mon tout commence par la lettre L. Qui suis-je? Donc lors de la vidéo, j'avais dit que c'était du lait, parce que blanc et ça se boit. Donc voilà, et en fait j'avais raison, parce que voilà ce que c'est, et elle est juste folle. Donc c'est un petit lait corporel doux et satiné de chez The Body Shop, et en plus ils sont trop bons. Enfin, il n'a pas vraiment d'odeur, mais moi je trouve qu'ils sont bons. Et je sais pas si vous pouvez voir, il a des reflets. Donc voilà, c'était trop bien. Ensuite, quatrième. J'adore cette marque, tu l'as déjà testée. Attendez. Je sais plus c'est quoi. Oh mon dieu, je suis vraiment débile. Si je me trompe pas, c'était ça. J'espère que je me trompe pas. Mais donc c'est ce parfum de chez The Body Shop. Comme ceci. J'adore trop l'emballage, il est trop beau. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Oula, attendez. Je vais pas le casser maintenant. Hein. Ça serait ballot. Donc voilà, le packaging est trop beau. Donc voilà, j'adore trop le bouchon comme ça fait. Voilà, et il sent juste trop bon. Voilà, j'adore trop, mais ça sent trop bon, c'est un truc de fou.
En plus, il a dû coûter super cher. T'es vraiment folle. Cinquième, tu m'avais dit que c'était une de tes couleurs préférées. Donc, si je me trompe pas, c'est ce coulis d'Ecomate. Et en plus, j'en ai jamais eu des coulis d'Ecomate, des coulis de Puffy, n'importe. Donc, ce sera mon premier. Et en fait, c'est un jaune citron, mais il est magnifique. Voilà, avec l'embout super précis. Voilà. Et ben voilà, en plus c'est une couleur citron, mais c'est juste génial. Donc vraiment merci à toi. Ensuite, 6, il est fait pour toi, ça se voit. Alors là, je sais pas du tout c'est quoi. Je sais plus du tout. Oh mon dieu. Bon, je vais passer, si je le retrouve, je vous montrerai. 7. Des cabochons, j'espère qu'ils te plairont. Donc j'ai eu plein de cabochons. Donc j'ai eu une grande base de cupcakes. En plus j'adore tester des nouvelles bases de cupcakes. Voilà, donc c'est une de taille moyenne. J'en ai une toute petite qui est trop mimi. J'ai eu ça, donc ça je sais pas trop ce que c'est. Oula. On dirait que ça se mange en plus, c'est trop bizarre. Je crois que c'est une base de cupcake qui va dessus. Enfin, je sais pas trop si tu me comprends. Donc, dis-moi en commentaire ce que c'est. Et enfin, j'ai eu deux petits cabochons perles nœuds. Comme ça, je pourrais les mouler. Voilà. Numéro 8, du bleu au fuchsia, dis donc, tout te va. Donc, en fait, ce sont des petites perles comme ceci. Trop belle. En plus, j'ai une amie, elle m'avait fait un bracelet avec des perles exactement comme ça. Et je les adore trop. Je les trouve trop belles, ces perles. Donc, ça sera parfait. Merci mille fois. 9. Par multicolore, tu remplaceras. Donc, je crois que j'ai trouvé le... l'autre petit. Je savais pas c'était quoi. Donc, en fait, j'ai eu plein de sortes de ce canne. En fait, ils sont plats. Je n'avais jamais eu des comme ça. Je les trouve trop original. Donc, plein de sucres multicolores. Donc là, il n'y en a que 100 parce que... Enfin, il y en avait au moins 500, un truc comme ça. Voilà, mais ils ne sont pas tous là parce que je les avais déjà un petit peu rangés. Parce qu'en fait, j'avais... Enfin bref, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais... Voilà. Voilà. Cette fille est une dingue. Ensuite, numéro 10, une touche de faux sucre en plus. En fait, je sais pas. Une touche de faux sucre en plus. Donc, c'est du faux sucre violet. Mais là, vous le voyez violet, genre... violet comme ça. Alors qu'en fait, c'est du violet comme ça. Voilà. En fait, c'est un peu bizarre, mais cette couleur ne correspond pas à ça. Et cette couleur correspond à ça. Enfin bref, ça se voit pas trop, mais voilà. En plus, ça m'a mis une énorme quantité. Oh là là. Je suis trop contente, je croyais que c'était Noël. Ensuite, 11, je l'ai testé, je ne peux plus m'en passer. Donc en fait, c'est une petite crème de douche de chez Sephora à la vanille. Voilà, j'en ai déjà des doses comme ça. Et franchement, les gels douche de chez... De chez Sephora, j'en ai testé un et j'adore trop l'odeur. Donc là, en plus, j'avais pas celui-là. Je pense qu'il va sentir tellement trop bon. Voilà. Numéro 12. Je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas pu en mettre plus. Donc en fait, elle m'a mis plein d'après et de tranches de canne. Donc voilà les tranches de canne. Donc c'est toutes des tranches de canne que je n'ai pas. Donc c'est des petits animaux et des petits gâteaux, etc. Elles sont trop mignonnes. Voilà. Ensuite, j'ai eu deux straps. Donc un bleu électrique et j'en avais pas de cette couleur. Et un noir et ça peut toujours servir. Deux petites griffes comme ça qui sont juste trop mimi. Et enfin, cinq anneaux. Donc, je sais pas comment vous le montrer là, c'est un peu galère. Voilà, donc cinq petit anneau. Donc juste après, c'est le dernier cadeau. En fait, nous, c'est basé sur un nombre et pas sur un montant. Donc voilà.
Le numéro 6, c'est Il le fait pour toi, ça se voit. Donc c'est ça. Donc en fait, c'est un mini moule macaron. Et vu que j'arrive pas à faire les macarons, mais ça va être juste mais parfait, je pouvais en faire à l'infini. Voilà. Et enfin, numéro 13, c'est Et le meilleur pour la fin, avec plein de petits cœurs dans toute sa lettre. Donc en fait, c'était emballé dans le papier comme ceci. Donc dans deux papiers comme ça. Donc j'ai eu une petite assiette en porcelaine trop mimi. Voilà. Et j'ai eu une petite fiole. Donc en plus, c'est toujours parfait, ça sert toujours. Donc voilà pour ce soir. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je suis super trop contente. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et surtout à toi. Et je vous dis à bientôt. Bisous.